Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Il fait chaud aujourd'hui à la ferme du Pré Charmant et Flore et Tom sont en plein travail. Ouf ! Plus vite nous aurons terminé d'empiler ces bottes de paille, plus vite nous pourrons aller nous reposer. Oh oui alors, je suis épuisée. Je sais Tom, moi aussi je suis fatiguée. Encore un peu de courage, on y est presque. Mais tout le monde n'est pas au travail. Jules est encore fatigué de sa moisson. Les poules sont épuisées de couver leurs œufs toute la journée. Et Minouche, elle, adore dormir. Elle est tellement paresseuse qu'elle ne ronfle même pas. Mais leur petite sieste est de courte durée. Bonjour tout le monde! C'est Max qui arrive avec Greg, son 4x4. Venez voir mon nouveau téléphone portable. Il est fabuleux. Y en a qui essaient de dormir ici. Oh, quel enthousiasme. Quelqu'un a vu Flore? Bon, compris. Pardon pour le dérangement. C'est la dernière, Tom. Alors fais attention ou toute la pile pourrait s'écrouler. Oh, c'est haut! Bien, Tom, bien. Tu vas y arriver. Flore! Au secours, Flore! Je me demande bien où Flore est passée. Vite, quelqu'un! Max, au secours! Au secours, vite! Doucement, Tom, il alerte, fait bien trop chaud pour s'énerver. Vite! C'est urgent! Qu'y a-t-il? Tu surchauffes? Viens, on y va! Pose-moi par terre! Non! Oh non! Et Flore était sur la pile? Oui, les bottes de paille lui sont tombées dessus! Mais comment je vais la retrouver? Oh, j'ai une idée! Je vais l'appeler avec mon nouveau portable! Là, j'entends sa sonnerie. Ça y est, je la vois. Sois prudent, Tom. Fais attention de ne pas la blesser. On y est presque. Oh, regarde, un épouvantail. Oh. Non, c'est Flore. Max, Tom, merci. Dans la grange, tout le monde s'est de nouveau assoupi. Ou presque. Oh, on peut dormir, oui. Pendant que Tom reconduit Max et Flore à la ferme, personne ne remarque que les moutons s'approchent des bottes de paille. Les canards cherchent toujours un endroit où s'installer. Tandis qu'à la cuisine, Max explique à Flore les performances de son nouveau téléphone. Il est très petit et léger, mais ce que je préfère avec lui, c'est que je peux enregistrer toutes les sonneries que je veux. Oh non! Je l'ai perdu! Faisons ce que tu as fait pour me retrouver. J'appelle ton téléphone et on attend de voir où il sonne. Je n'entends rien. Tu l'as sûrement égaré quelque part dehors. Mais...
travail. Dans la grange, les canards n'ont toujours pas trouvé où s'asseoir. Oh, ça recommence ! Je ne comprends pas. On a cherché partout. Je ne vais jamais le retrouver. Il est forcément quelque part. Recommence, recompose ton numéro. Non, je ne l'entends pas. Et toi? Moi non plus. Tu vas te taire, Maud. Maud! Chut! Là! Ah, c'est inutile. Il a disparu. Non, je l'ai vu. Je sais où il est. Donnons une chance à Tom de le retrouver. C'est absurde, on l'entendrait. Venez, Riff va nous conduire. Riff, il est dans le pré de Maud? Je recompose ton numéro. Là-haut, je le vois. Tom, mais qu'est-ce que tu fais? Attrape-le. Tom, pose-moi par terre. Regarde dans l'arbre! Est-ce qu'on peut savoir à quoi vous jouez, vous deux? Nous sommes là pour chercher le téléphone de Max. Nous n'avons pas le temps de jouer les acrobates. Allez, on s'en va. Oh, j'étais pourtant sûre. C'est terrible ce qui m'arrive. J'ai vraiment besoin de ce téléphone. Oui, je sais. Mais nous avons cherché partout. Et nous ne l'avons vu nulle part. Ça y est, Cancan et Coincoin ont enfin trouvé un endroit où ils n'embêtent personne. Tom est fourbu après cette longue et chaude journée. Mais il remarque que Cancan est plus excité que d'habitude. Tiens, que se passe-t-il? Il donne alors un coup de klaxon et découvre où est le téléphone. Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Ça y est, je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Tom, que se passe-t-il? Le portable de Max! Je l'ai trouvé! Il est là! Bon, eh bien, cette fois, on va en avoir le cœur net. Tom, tout ce que j'entends, c'est Cancan et Coincoin. Et aucune sonnerie de téléphone. Attendez, j'ai une idée. C'est bizarre. Les canards sont partis. Pourtant, je les entends toujours. Oh. Par ici. Mais regarde, Max, c'est ton téléphone. Allô? Bonjour, Max. Pourquoi ton téléphone cancane-t-il? Oh, il a dû se mettre en marche tout seul et enregistrer la voix de Cancan. Pas étonnant qu'on ne le retrouvait pas. Tom y est arrivé. Et j'ai ma petite idée sur la façon de le remercier. Ah oui? Comment? Surprise! Max rentre enfin à la maison avec son nouveau téléphone portable en poche, tandis que Flore donne à Tom une bonne douche bien fraîche. Oh, quel bonheur! Tu l'as bien mérité. Et maintenant, si on faisait une petite surprise à Max, d'accord, Tom? Oui, bonne idée! Tom, 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 Tom. Oh, c'est quoi ce bruit? Tom, 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 Tom. C'est une voiture? Tom, 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 Tom. C'est un avion? Tom, 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 Tom.
Non, c'est mon nouveau téléphone. Allô, Flore? Bonjour, Max. Je suis avec Tom. On espère que tu aimes ta nouvelle sonnerie. Oh oui, et je vais la garder. Elle me rappellera que c'est grâce à Tom si j'ai retrouvé mon portable. À tout à l'heure. Moi, je n'ai pas besoin de sonnerie pour me rappeler ce que tu fais pour nous. Je le sais déjà depuis longtemps. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 c'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Cette journée s'annonce calme à la ferme du Pré-Charmant. Flore et Max chargent des cagettes sur la remorque de Tom. Et voilà, c'est terminé et nous n'avons plus rien d'autre à faire aujourd'hui. J'irai bien regarder la télé, mais la mienne est en panne. Et si nous essayions d'organiser un jeu pour changer? Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de regarder la télé, nous pourrions monter un spectacle. Quel genre de spectacle? J'ai une idée de numéro, mais pour le moment, je la garde pour moi. Oh, cette minouche! Toujours là où on ne l'attend pas, une vraie magicienne. Ça, c'est une bonne idée. Je vais faire un numéro de magie. Minouche est malheureuse. Ça la pique dans le dos et elle n'arrive pas à se gratter. Flore se prépare à monter son... Chut, mon numéro est top secret. Allez, Riff, on commence. Allez-vous-en, je vous dis. Tandis que Max s'entraîne à faire des tours de magie. Attention, regardez, rien dans les mains, rien dans les manches. Non, elle n'était pas dans mes manches. Greg et Tom, eux, sont dans la cour. Moi aussi, je sais faire de la magie. J'ai hâte de voir ça. C'est ça, ta magie? Bien sûr, j'ai fait disparaître tous les animaux d'un coup. Qui dit mieux? C'est facile, la magie. Je te parie que moi aussi, je pourrais en faire si j'essayais. Mais avant, je dois retrouver tous les animaux disparus. Vantard, un tracteur, ça fait pas de magie. Minouche, elle, cherche toujours le moyen de se gratter le dos. Mais où sont passées les poules? Pas ici, en tout cas. Et d'un coup de ma cuillère magique, bravo, mon portable! Il ne devrait rien y avoir, là. Oh, les tracteurs ne font pas de magie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Abracadabra, et ça marche! Appelez-moi Magic Tom! Allez, en route, mauvaise troupe! Flore est très occupée... Laissez-moi tranquille. Je vous l'ai déjà dit, enfin, c'est un secret. Et pour madame, un magnifique bouquet de roses rouges qui sentent le... Oh, je crois qu'ils sont restés trop longtemps sous ma veste. Bon, puisque ça semble efficace, je vais faire de la magie pour retrouver les canards. À la une, à la deux, à la trois. Ah, les voilà! Allez les canards, avec les poules! Ça y est, Minouche a enfin trouvé l'endroit idéal pour se gratter le dos. C'est la branche la plus haute de l'arbre le plus grand de toute la ferme. Je ne comprends pas.
comprends pas, j'ai retrouvé tous les animaux qui avaient disparu, tous sauf Caramel. Je me demande bien où il a pu passer. Ne t'en fais pas, Paquita, je vais le retrouver. Oh! Je sais, je vais suivre les traces de ses sabots. Et grâce à ma cuillère magique, je vais faire s'envoler dans les airs cette théière. Oh mince! Oh, j'aurais dû penser à la vider. Ça y est, je le vois, il est là-bas. Oh non, il s'est pris les pieds dans la boue. Ne t'en fais pas, Caramel, je vais te sortir de là. Magic Tom, à toi de jouer. Oh, j'adore la magie. Oh, Minouche peut enfin se gratter le dos. Mais comment descendre de là? Personne n'entend ses appels, car c'est le moment de découvrir le secret de Flore. Alors, ce fameux numéro? Regardez bien! Qui ça, les moutons? Vous allez voir ce que je leur ai appris. Waouh! Qui dit mieux? Oui, c'est pas mal, mais vous n'avez encore rien vu. Tom, tu pourrais faire venir tout le monde dans la grange? Je veux une salle comble pour le numéro exceptionnel de Max le Magnifique, le magicien des magiciens! Venez, venez tous assister au spectacle du grand Max le Magnifique! Et après, je vous ferai de la magie moi aussi! Mais... il manque quelqu'un? Où est Minouche? Vite, elle va manquer le numéro de Max! Minouche! Minouche, où es-tu? Minouche, réponds-moi! Oh non! Qu'est-ce qu'elle fait là-haut? J'arrive, Minouche, j'arrive! Oh, je suis trop petit! Cette fois, il va me falloir de la vraie magie pour aller te chercher! Attention, sous quelle casserole se trouve mon téléphone portable? Il n'est pas sous celle-ci, ni sous celle-là, alors il est... oh, un chou. Est-ce que c'est ça que tu cherches, Max? Et maintenant, je vais faire disparaître ce canard. Attention, il est là. Il ne l'est plus. Raté, ils sont deux. Bon, je vais essayer les cartes. Je sais, Flore m'a donné une idée avec ses moutons. Je crois que j'ai la solution. Magic Tom, à toi de jouer. À la une, à la deux, à la trois. C'est pas beau ça? Décidément, j'adore la magie. Allez, viens Minouche. Allez, arrêtez, je ne trouve pas ça drôle. Qui a pris mes cartes? On n'en sait rien, nous. Oh, catastrophe! Mais qu'est-ce que vous avez fait? On dirait des rideaux quand Minouche joue avec. Tiens, mais au fait, où est-elle, Minouche? Alors ça, je ne sais pas. Maintenant qu'on en parle, je me rends compte que je ne l'ai pas vue de l'après-midi. Max, tu ne l'as quand même pas fait disparaître. Non, non. Oh, j'espère qu'elle va bien. Je crois qu'on devrait aller la chercher. Introuvable, elle a vraiment disparu. C'est maintenant qu'on aurait besoin d'un vrai magicien. Qu'est-ce que c'est? On m'a appelé? À la une, à la deux, à la trois! Bien joué, bravo Tom!
Tom, tu viens de réussir le tour de magie le plus fantastique que j'ai jamais vu. C'est le clou de notre spectacle. Tu peux m'appeler Magic Tom. Mais tu sais quoi? Greg aussi fait de la magie. Il peut faire disparaître d'un coup tous les animaux de la ferme. Montre-lui, Greg. Ah, oh, mince. C'est ce que je disais, c'est Tom le meilleur. Oui, sauf que tu sais ce que je n'aime pas avec le tour de Tom? Non. C'est que maintenant, on va devoir recommencer à charger toutes ces cagettes dans sa remorque. On en a au moins jusqu'au milieu de la nuit. Oh. Tu as vu ce qu'on a fait? Grâce à nous, les moutons adorent danser maintenant. Quelqu'un pourrait leur demander de faire moins de bruit, par pitié! C'est magique, non? Il y a un tracteur à la ferme du pré charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur tracteur Tom elle peut compter. C'est tracteur Tom, 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 Tom. C'est tracteur Tom qu'on aime tous. Oui c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. C'est une superbe matinée d'automne qui commence à la ferme du Pré Charmant. Et quelque chose dans l'air fait penser que cette journée va rester dans les mémoires. Mais pour le moment, Jules est inconsolable. La moisson est terminée, je n'ai plus rien à faire. Et maintenant, je vais rester dans le fond de cette grange jusqu'à l'année prochaine. Oh, quelle tristesse. Jules, c'est dur la moisson. Tu n'es pas content de te reposer ? Tom, c'est facile pour toi de dire ça. Tu as toujours du travail à faire. Mais moi, je ne sortirai pas d'ici de tout l'hiver. Pendant ce temps, dans la maison de la ferme, Flore a des soucis avec Minouche car, comme beaucoup de chats, elle est très difficile à table. Le repas est servi. À table, Minouche. Que se passe-t-il? Tu as toujours aimé ces croquettes. Je te les ai achetées exprès. Franchement, tu exagères, Minouche. Tiens, tu auras du lait à la place. Ne me dis pas que tu n'aimes plus le lait non plus. Bon, tant pis pour toi. Tu mangeras plus tard. Je dois retrouver Max dans le verger. Nous avons toutes les pommes à cueillir aujourd'hui. Bonjour Flore, bonjour Tom. Vous avez vu la grosse récolte qui nous attend? Oui, je sais. Allez vite, mettons-nous au travail. Max. Bonne idée. Je boirai bien quelque chose. D'accord, vas-y. Moi, je vais retourner à la maison pour donner à manger à Minouche. Enfin, pour essayer, en tout cas. Regarde, Minouche, elles ne sont pas belles, ces sardines? Et des harengs, c'est bon, non?
Oh, Minouche, tu es vraiment trop capricieuse. Alors, Jules, ça va mieux? Tu as retrouvé le moral? Comment veux-tu que j'aille mieux? Je suis tout seul, je m'ennuie et je ne sers à rien. Oh. Si seulement je pouvais trouver une idée pour que tu puisses t'occuper. Réfléchissons. Tom! Oh, c'est Flore. Il faut que je retourne au verger. Je repasserai te voir. Quand tu veux, tu sais où me trouver. Les cagettes sont pleines de pommes, mais il en reste autant dans les arbres. Oui, je sais. J'espère que l'on pourra toutes les vendre. Va au marché avec Greg et son chargement et vois ce que tu peux faire. Nous rangerons le reste dans la grange en attendant. D'accord, Flore. À tout à l'heure. Viens, Tom. Rentrons à la maison. Je viens de penser à quelque chose que Minouche adore manger. C'est une bonne assiette de crème. C'est ton plat préféré. Oh non, tu ne vas pas me dire que tu boudes aussi la crème. Pendant ce temps, Tom a déchargé toutes ses cagettes de pommes. Mais il y en a tellement qu'il a même dû en déposer sur Jules qui fait une petite sieste. Pauvre Flore, Minouche n'a encore jamais été aussi difficile. Un peu de chou, des haricots, des champignons. Oh, cette fois, j'abandonne. Dans la grange, Jules dort toujours tranquillement. Mais sans s'en apercevoir, il fait de gros dégâts. Jules, tu dors toujours? Oh! Oh non! Jules! Jules, réveille-toi! Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai une fuite! Non, rassure-toi, ce sont les pommes! Mais voilà Max qui rentre avec Greg. Tous les fermiers ont beaucoup de pommes à vendre cette année. C'est inutile que je retourne au marché avec d'autres cagettes. Quel malheur! Oh. Que va-t-on faire de notre récolte? Ça, je n'en ai aucune idée, Flore. Bon, je dois aller donner à manger aux poules. Je te rappellerai plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Max! Max! Attends, j'ai peut-être une idée! Il faut que je te montre quelque chose. Tom? Oui, pour les pommes, j'ai peut-être une idée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Viens dans la grange! Mais pourquoi veux-tu que je te suive dans la grange? Viens, tu vas voir! Oh! Oh non! Quel chantier ici! Mais que s'est-il passé? C'est Jules. Il a écrasé les pommes que j'avais posées sur lui. Si tu pouvais construire une machine spéciale, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est une bonne idée, non? Excellente! Pour écouler le reste de nos pommes. On peut essayer. Je suis sûre que tu vas y arriver. D'accord. Alors, tous au travail. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit dans la grange? Suite à l'idée de Tom, Max veut faire une surprise à Flore. Il a donc demandé à Greg de monter la garde pour l'empêcher d'entrer. Halte! On ne passe pas! Greg, ne sois pas ridicule, voyons. Pourquoi je n'entrerai pas? C'est trop dangereux, Flore! Comment ça, c'est trop dangereux? Qu'est-ce que Max fabrique là-dedans? Il me bricole un nouveau pot d'échappement! Mais pourquoi fait-il une chose pareille? Parce que j'en ai besoin! L'ancien est cassé! Bon, c'est vrai qu'il faisait un peu de bruit, c'est une bonne idée. Il faut que j'y aille, je te laisse, à tout à l'heure. Oui, d'accord, Flore, à tout à l'heure. Dans la grange, tout le monde est très occupé.
c'est fini. Voyons si ça fonctionne. Victoire! Ça suffit, Greg. Je sens qu'on me cache quelque chose ici et je veux savoir ce que c'est. C'est-à-dire que... C'est bon, Flore. Tu peux entrer maintenant. Après vous, mademoiselle. Alors, je te présente Jules, la première moissonneuse pressoir du monde. Et son jus de pomme est de première qualité. Oh, bravo Max, magnifique. Comme ça, on va utiliser toutes les pommes qui nous restent. Ne me remercie pas, remercie Tom. C'est lui qui a eu l'idée. Et ça fait du travail pour Jules. Et voilà, grâce à Tom, tout le monde est content. Max est en route pour le marché avec une cargaison de bons jus de pommes à vendre. Jules se sent à nouveau utile à quelque chose. Et Flore n'a plus à s'en faire pour toutes ces pommes qu'elle a cru devoir jeter. Le seul petit problème qui lui reste à résoudre, c'est Minouche. Tiens, c'est étrange. On dirait qu'elle est dans la grange. Oh, Minouche! Minouche, allez, viens ici. Je n'arrive pas à le croire. Et depuis quand bois-tu du jus de pomme, dis-moi? Décidément, tu es vraiment une drôle de petite chatte. C'est pas Tom Tom, Tom 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 Tom, qui nous rend la vie bien plus douce. C'est la saison des agneaux à la ferme du Pré Charmant. Et Tom et Flore sont partis nourrir les moutons. Où sont-ils passés? Oh non! Quelqu'un a laissé la porte du parc ouverte. Tiens, Greg, je te confie ce gros sac de farine. Et ces pots de miel, c'est pour toi, petit filou. Tu peux les porter? Moi, je suis pas petit d'abord. Tu es sûr que ce n'est pas trop lourd pour toi? Ne va pas te blesser. Excusez-moi, on m'appelle. Allô? Oui, je regarde derrière la grange. Flore a perdu les moutons, une fois de plus. Oh, tu es si petit qu'on ne peut même pas te confier un vrai chargement. Où le petit... Je suis peut-être petit, mais je suis sûre que je roule plus vite que toi. Ah oui, tu crois ça, hein? Parfaitement. Bon, alors faisons une course et on verra qui est le plus rapide. Comme tu veux, t'as perdu d'avance de toute façon. Dehors, vous avez entendu? Vous n'avez pas honte? Et qui s'occupe de vos agneaux? Tu l'auras voulu, tant pis pour toi. À vos marques. Prêt? Parfait. Regardez-moi ça, de quoi j'ai l'air? Je me demande quelle mouche les a piqués. Mais où sont-ils passés? Oh? Oui, bonjour, petit. Que t'est-il arrivé, Tom? Oh, qu'il est mignon. Le pauvre, il est tout seul. Tu as perdu ta maman? Oh! C'est drôle, on dirait qu'il m'aime bien. Tu dois avoir très faim. Tu vas venir avec nous à la ferme, on va te donner du lait. La course finie, Greg et Filou se disputent car ils ne sont pas d'accord sur le nom du vainqueur.
C'est moi qui ai gagné, je te l'avais bien dit. Non, c'est moi qui suis arrivé le premier dans la cour. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, alors? C'est rien, c'est Tom. Regardez ce qu'on a trouvé. Il est mignon, hein? Il était tout seul dans son pré. Tu peux descendre, on est arrivé. Erreur, jeune homme, ce n'est pas ta maman, c'est Tom, notre tracteur. Mais il est tout blanc, que lui est-il arrivé? Je n'en sais rien, il ne veut pas me le dire. J'espère que ce n'est pas une de vos blagues idiotes. Oh non! C'est un mystère, alors. Qu'on n'a pas le temps d'éclaircir maintenant. Cet agneau a besoin de lait. Allons, à table, petit. Regarde Tom! Il est tout blanc! Ça ne va pas, tu es malade! Oui, moquez-vous. Vous devriez vous estimer heureux que je ne vous dénonce pas. Il refuse le biberon. Oui, et il veut sa maman. Non, il veut maman Tom. Je ne sais pas pourquoi il prend Tom pour sa maman. Remarque, tout le monde peut se tromper. Et lui, ce n'est qu'un bébé. Oh là là! On doit absolument retrouver sa vraie mère. Je m'en occupe, je m'y connais en mouton. J'espère. Et voilà, va chercher ta maman. Hé, hey, où tu vas? C'est pas par là. Et Tom peut aller n'importe où, on est sûr de trouver le petit agneau derrière lui. Même Max ne peut rien y faire. Pourtant, j'essaie, je vous assure. Elle est là, ta maman. Tu es un agneau, tu n'es pas un tracteur, tu m'écoutes? Tu manges de l'herbe et tu fais des petits sauts de mouton en l'air. Allez, viens avec moi. Et tu vas boire l'eau des rivières quand tu as soif. Bon, j'abandonne. Sois un tracteur si ça te plaît. Qu'est-ce que ces déchets font dans la rivière? Ça, c'est incroyable. C'est un landau. Je te dis que c'est moi qui ai gagné, avec au moins 3 longueurs d'avance. C'est même pas vrai. Puisque c'est ça, on recommence. Bon, d'accord, si tu veux. À vos marques. Prêt? Hé, hey, vous deux. Vous restez là, j'ai besoin de vous. Que t'est-il arrivé? Oh, rien, je suis tombé dans la rivière. Comment as-tu fait? C'est cet agneau. Il me rend complètement zinzin. Mais je croyais que tu t'y connaissais en mouton. Oui, mais pas en mouton qui se prennent pour un tracteur. Ça ne fait rien. J'ai une bonne idée. Viens là, Tom. J'ai besoin de ton aide. C'est pour te moquer de moi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Oh là là! Tom, il faut que tu restes un peu ici avec ton agneau. Mais ce n'est pas mon agneau. C'est pour qu'il s'habitue à être avec les autres moutons. Tu crois que ça va marcher? En tout cas, je trouve que tu es une maman formidable. À plus tard, Tom. Oh non, mais je ne suis pas ta maman. Oh. Personne à droite, personne à gauche. Cette fois, on peut la refaire cette course. Pas de problème, moi je suis prêt. À vos marques. Philou, t'as bien apporté le miel que je lui ai donné? Non, il ne m'a rien apporté du tout. C'est bizarre. Gueule, Philou, arrêtez! Je savais qu'il mijotait quelque chose. Maintenant, si Tom fait des bêtises, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Tom, on peut savoir ce que tu fais? Et voilà, sauvé! Il était en train de secourir l'agneau. Félicitations, Tom. Oui, merci. Oh,
Maintenant que Tom n'est plus blanc, il a compris que ce n'était pas un mouton. Mais comment va-t-il retrouver sa vraie maman? Cette fois-ci, je crois que j'ai une idée. Max, où as-tu déniché ce corps de landau? Je l'ai trouvé dans la rivière. Ah, je vois, c'était ça ton idée géniale alors? Non, mon idée c'est celle-là. Et un mouton tracteur! Alors là, c'est l'idée la plus absurde que j'ai jamais vue. Oh. Pardon, tu disais? C'est vrai que tu t'y connais en mouton, Max. Grâce à toi, cet agneau a une vraie maman. Quant à toi, Tom, merci de l'avoir sauvé de la noyade. Franchement, qu'est-ce que je ferais sans vous? En route! Rentrons à la ferme maintenant. Et Greg et Filou, alors? Qu'ils restent un peu devant l'abreuvoir. Ça les fera réfléchir à toutes leurs bêtises. Comment? Vous partez? Je veux rentrer à la maison. Moi aussi! Ne nous laissez pas là! C'est ta faute tout ça! Greg, je suis très en colère contre toi. Estime-toi heureux si Tom vient te remorquer demain. Demain? Et toi aussi, Philou. Oh. De retour dans la cour de la ferme, Flore et Max lavent et font briller Tom. Ah, c'est bon de se sentir propre. C'est bien que cet agneau ait trouvé une mère. Un mouton, quand ça a une idée en tête, c'est plus têtu qu'une mule. Oh non, regardez! Ils veulent tous être des moutons tracteurs. Cette fois, ne me demandez pas d'intervenir. Tom va devoir s'habituer à ne plus être le seul tracteur de la ferme. Oh! C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 c'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Ce matin, à la ferme du Pré Charmant, Flore est toute heureuse de se lever tôt, car aujourd'hui, on va nettoyer la grange. Flore, où ça? Déjà? Bon, écoutez-moi. Si chacun y met du sien, nous pouvons redonner à cette grange l'allure qu'elle mérite. Pourquoi tu ne nous trouves pas assez beaux? Mais si vous avez fière allure, vous trois. Le problème, c'est ceux qui traînent autour de vous. Je veux que vous empiliez soigneusement toutes ces bottes de paille et toutes ces bûches, d'accord? D'accord, pas de problème, un jeune enfant. C'est comme si c'était fait. Tom, d'abord, tu dois choisir l'équipement qui te conviendra le mieux pour faire ce rangement. Oh, non, pas celui-là. Et ne vous en faites pas pour le reste, je m'en occupe avec Max. D'ailleurs, au fait, où est-il, Max? Il devrait déjà être là. Non, impossible de démarrer. Ça ne se présente pas bien, Greg. Je dois prévenir Flore. Allô, Max? Où est... Oh, je vois. C'est ennuyeux. Tu vas pouvoir le réparer? Oui, oui, je pense. Mais j'aurais besoin de ma boîte à outils. Je crois que je l'ai laissée dans la grange hier. Ah oui, je la vois, elle est là. Si tu veux, avec Filou, on peut peut-être te la porter. Ah, c'est une bonne idée. Ça me rendrait un grand service. Vas-y, tire! Passe!
une tête. T'as vu ça, toi? Oui, je sais que vous aimez bien jouer au foot. Vous pourrez y jouer tant que vous voudrez, mais pas avant que vous ayez rangé cette grange. Allez, Flore, s'il te plaît. Oh, Flore. Et de toute façon, Filou, j'ai besoin de toi pour aller retrouver Max. D'accord, je suis prêt. Allons-y. En mon absence, vous pouvez continuer, vous deux. Bien sûr, compte sur nous. Oui, on va tout ranger. Et n'oubliez pas, interdiction de jouer au foot avant d'avoir fini. Merci, Flore. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est possible que ce soit le démarreur. Je vais le démonter pour vérifier. Démonter mon démarreur? Mais tu n'y penses pas! Pas de panique, Greg. Tu ne vas rien sentir. Pendant ce temps, Tom et Jules étaient toujours en plein rangement. Caramel Riff, vous tombez bien! C'est gentil de nous aider. Comme ça, on ira plus vite pour faire le travail. Bravo, on a rangé toutes les bûches. Et nous, toute la paille. Grâce à vous, ça a été plus vite que prévu. Et Flore nous a donné la permission de jouer après le travail. Alors, on peut faire une partie de... Oh, je ne me sens vraiment pas bien. Bon, je te laisse continuer, Max. Je dois aller voir comment il se débrouille à la ferme. D'accord, Flore. Vas-y, je te rejoins dès que je peux. C'est à présent Paquita de l'Olympique fermier qui a la balle et qui progresse dangereusement. Maud, le gardien de but du Pré-Charmant, est très inquiète. Récupération de Riff de la tête. Et c'est le but! L'Olympique fermier ouvre la marque, un but extraordinaire! Tom à la balle pour le Pré-Charmant. Une transversale pour Caramel. Oh là là, qui marque d'une talonnade! Un geste exceptionnel, voyons le ralenti. Fantastique égalisation! C'est maintenant Riff qui déborde sur la gauche pour l'Olympique fermier. Elle évite la défense de Caramel et se retrouve face à Tom. Elle est passée, c'est la reine du dribble! Super Bonnel propulse la balle dans les filets. Quel but! Oh là là, mes amis, quel but! L'Olympique fermier reprend la tête face au Pré-Charmant et mène 2-1. Tom a le ballon maintenant. Il frappe. Mais son tir n'est pas cadré. La balle va sortir. Non, Minouche dévie de la tête. Minouche va marquer. Attention, le rebond. Ah! Et Jules est trompé. Quelle malchance pour Jules. En fait, il semble que ce soit une malchance pour tout le monde, car c'est le moment qu'a choisi Flore pour rentrer. Et elle n'aimera pas trouver la grange dans un tel désordre. Mais heureusement, ils sont sauvés par le gong. Ah, oh, c'est toi, Max. Tout va comme tu veux? J'ai peur que non, Flore. Greg a absolument besoin d'un nouveau démarreur et le prochain bus pour la ville ne passe que dans longtemps. Bon, ne t'inquiète pas. Je vais aller en ville te le chercher. Tu es sûre? Tu voulais voir si Tom et les autres travaillaient bien. Oh, j'en suis certaine. Ils ont même sûrement terminé à l'heure qu'il est. Oh non! Dire qu'il faut tout recommencer. Mais alors que Tom et les autres sont occupés à ranger la grange et que Flore est en route pour la ville, les moutons décident de faire à leur tour une partie de football.
Le problème, c'est qu'ils ne savent pas jouer au football. Ça y est. Terminé. Oh. Pendant ce temps, à la caravane de Max. Coucou Max, je t'apporte un démarreur tout neuf. C'est parfait, Flore. Greg sera sur pied dans une minute. Voilà. Bien, Greg, tu devrais te porter comme un charme maintenant. Ouais, c'est beaucoup mieux. Génial, on va pouvoir aller à la ferme. On va certainement les trouver en plein match de foot. J'en vois deux ici qui ne voudraient surtout pas manquer ça. Un match de foot? Je suis le meilleur avant-centre de la ferme. Peut-être, mais moi je suis le meilleur ailier gauche. À la maison, Maud et Paquita font le guet. Ça va tout le monde? Et ce match? Oh. Oh là là, quelle fatigue! Je n'ai plus de force! Ça alors? Vous avez l'air tous épuisés. Tenez, vous deux, réveillez-moi tous ces petits monstres. Ah là là, superbe frappe de Flore, reprise de la tête de Filou qui passe la balle à Greg. Bien joué. Allez. Greg, je t'ai déjà dit que tu étais doué. Quelle conduite de balle. Filou se précipite à l'avant, il veut marquer son but. Je l'ai. Attention. Filou, ça va, tu n'as rien? Oh non, quel chantier, il a dû se faire très mal, regarde ça. Filou, parle-nous, dis-nous quelque chose. Ça va, enfin, je crois. Bon, il devrait survivre. Mais tu as raison, quel capharnaüm ici. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Chacun sait ce qu'il a à faire et en un clin d'œil, ils vont tout remettre en état. Oh, encore. Oh. C'est pas tout comme... Il y a un tracteur à la ferme du pré charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur tracteur Tom elle peut compter. C'est tracteur Tom, 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 Tom. C'est tracteur Tom qu'on aime tous. Oui c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Le temps de la moisson est venu à la ferme du Pré-Charmant et Jules, la moissonneuse batteuse, travaille d'arrache-pied dans le champ de blé. Ma remorque est pleine. Merci. Tu as bien travaillé, Jules. Tu peux faire une petite pause si tu veux. Oh oui, je suis épuisé. Oh là là, vous entendez? On dirait qu'il va pleuvoir. Oui, ça se rapproche. Et nous avons encore beaucoup de blé à rentrer dans la grange. Je vais appeler Max pour qu'il vienne nous aider avec Greg. Bonne idée, Flore. Salut, Flore. Il vous faut de l'aide? Compris, on arrive. Greg, le devoir nous appelle. Mais je ne peux pas partir comme ça, je suis tout dégoûtant. Je sais, mais tu prendras ta douche plus tard. Pour le moment, Flore a besoin de nous. De toute façon, ce serait ridicule de te laver maintenant, avec l'orage qui se prépare. Tu entends le tonnerre? Ça vient vers nous. «
Et s'il y a une chose que les moutons détestent, c'est bien le tonnerre. Nous voilà, que veux-tu que nous fassions, Flore? Nous devons rentrer tout le blé dans la grange avant qu'il ne pleuve. Est-ce que Greg pourra aider Tom? Bien sûr. Allons-y, chargeons-le. On fait la course, Tom? La course? Le premier arrivé à la grange a gagné. C'est parti! Oh! Oh! Que se passe-t-il? Un mouton est coincé dans la haie. Oui, et un autre dans la barrière. Regarde, un troisième est dans l'arbre. Il y en a partout. Ils ont dû être effrayés par les coups de tonnerre. Sûrement, oui. On ferait bien de les rassembler. Au travail, Riff. Où est Tom? Je ne le vois même plus. Je suis sûr que j'ai le temps de me laver avant qu'il ne me rattrape. Hey, arrête, Caramel! Oh! Et ça te fait rire en plus. Tu vas voir. Attends que je t'attrape. Arrête-toi. Viens ici. Et la course? Je l'ai oubliée. C'est pas juste, oh! Ne t'énerve pas, Greg, ce n'est pas grave. Tu sais que c'est la première fois que je gagne une course. Déjà que je suis tout sale et que je n'arrive pas à me laver. Et maintenant, voilà que j'arrive deuxième à une course. C'est vraiment une très mauvaise journée pour moi. Je me demande où est passée cette brebis. Ouais. Mais... La voilà! Vas-y, Riff, par ici, Max. Ça alors, où est-elle passée? Là-bas, dans le coin du champ. Mais comment a-t-elle... Enfin, je veux dire... Oh, et puis, tant pis, allons chercher les autres. Pour qui elle se prend, celle-là? Une hirondelle? Ne t'en fais pas, je vais la chercher. Oh non! Oh, c'est malin! Les moutons. Avec eux, il n'y a que des problèmes. Bon, bravo, Riff. Merci, Max. Nous les avons presque tous rassemblés, finalement. Il ne nous en reste plus qu'un à trouver. Mais...
Comment le faire descendre de Maud sans qu'il se blesse? Enfantin. Assise, Maud. Assise. Et voilà, quand on sait parler aux animaux. Ça y est, cette fois, Flore, Max et Riff ont réussi à rassembler tout le troupeau. Et laissant Riff s'en occuper, Flore et Max retournent au champ de blé continuer la moisson. Flore, Max, j'ai un autre chargement de grains prêt à partir. Mais je n'ai aucune nouvelle ni de Tom ni de Greg. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils devraient déjà être revenus. Pourvu que personne ne me voit dans cet état, je n'ai jamais été aussi couvert de boue. Oh. Mais alors que Riff reconduit les moutons dans leur pré, il se met à pleuvoir. Oh non! La pluie maintenant! Je vais dégouliner de partout! Pauvre Greg, que pourrais-je faire pour l'aider? Oh, Riff avec les moutons? Je crois que ça me donne une idée. Riff, j'ai besoin de toi! J'ai besoin de toi et de tes moutons! Allez-y! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Laissez-moi passer! Oh, oui, j'ai compris! Ah, génial! Ça a marché, Riff. Et c'est grâce à toi. On a de la chance, Flore. Ce n'était qu'une averse. Mais on ferait quand même bien de se dépêcher de mettre tout ce blé à l'abri. Mais que font Greg et Tom? Ah, enfin, les voilà! Oh, tu es comme neuf, Greg! Qui t'a nettoyé? Oh, ce sont des moutons! Quoi, des moutons? Mais comment ont-ils fait? C'est une longue histoire. Tu as raison, on a du travail. Tu me le diras plus tard. Et voilà, c'est chargé! En route, vous deux! Alors, Greg, prêt pour une autre course? Faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas, l'important c'est que ce blé arrive à la maison sec et entier. Tu es prêt? Partez! Qu'y a-t-il, Greg? Je laisse un peu d'avance à Tom. Tu laisses Tom partir devant? Alors là, chapeau! Max, c'est grâce à Tom si je suis tout propre. Alors je peux bien le laisser gagner. J'ai encore gagné! Profites-en, tu auras peut-être moins de chance la prochaine fois. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce.